starving. Donc, nous nous réveillons avec un problème. Bienvenue. Et nous avons le risque de mal de l'enfermement. Vous êtes en intérieur depuis si longtemps que vous commencez à vous sentir mal, passer du temps dehors avant que les symptômes empirent. On est à 38% d'en passer en intérieur. Alors, on a un problème. Donc, il fait encore nuit. Je vais juste parler le temps que il fasse un peu plus jour. Alors, on a un problème. Alors, on a le risque de l'enfermement. La bonne chose, c'est que si on arrive à pas l'avoir à 100%, non, ça va prendre trop de temps. Ça va prendre trop de temps. Le truc, c'est que si jamais on va à la forge est en extérieur, et c'est pour ça, en fait, que je voulais, dans un sens, aller à cette forge-là de Muskeg Morn. Car la forge est en extérieur, c'est pas en intérieur. La forge... site de désolation est en... c'est considéré en intérieur. Et celle de la voie ferrée détruite, c'est en intérieur aussi. Muskeg Morn est en extérieur, dans une grange, donc c'est plus ou moins protégé du vent et tout ça, et des animaux, donc vous risquez rien. Mais c'est en extérieur. Donc je voulais vraiment y aller aussi pour ça, car ça va vraiment nous aider à remettre le risque de l'enfermement, là, le mal de l'enfermement, à zéro. Mais le problème, c'est qu'il s'est déjà déclenché, on est déjà à 40%. Le problème maintenant, c'est qu'on doit découper du métal. Et le fait de le faire, ça va créer des problèmes. Ça va créer des problèmes parce qu'on risque de le déclencher. Si jamais on le déclenche, si jamais on arrive à 100%, on va devoir rester 24 heures à l'extérieur. On va pas pouvoir dormir en intérieur pendant 24 heures. Et ça peut être un gros problème. Ça peut être tout simplement être un problème énorme. Car il va falloir dormir 24 heures dehors. Et voilà. Voilà, qu'est-ce que je vous dis, c'est la merde. Alors, on a assez de bouts de bois et tout ça. On peut faire un igloo. On peut faire un igloo, donc c'est 15... Ah non, c'est 15 bâtons et 5 morceaux de tissu. Je crois que j'avais dit c'est 10 morceaux de tissu, mais c'est 15. C'est 5, pardon. Et c'est 15 bâtons, c'est pas 10. Chaque fois, je pense que c'est 10-10, mais en fait, non. Donc, on peut faire ça à côté de chez nous et dormir là-dedans. Le problème, c'est que si vraiment il fait froid, on risque d'avoir des problèmes. Donc, ouais. C'est un problème, je sais pas. Il nous faut du métal. On peut pas partir comme ça de toute façon. Donc il nous faut du métal. Il nous faut plus de métal que ça. Bah tiens, le temps qu'il fasse jour. Donc nous on veut. Nous on veut créer. Le couteau improvisé. Donc c'est. 3 morceaux de ferraille. Donc c'est 3. Et un tissu. C'est tout? Je pensais que c'était plus. Donc 3 et un tissu. C'est à peine 3 heures. Et après, la hachette, c'est 5 et 1. Donc 5, donc 8. 8 pour les deux, ce qui est bien. Et après, il nous faut des pointes de flèche. Pointes de flèche, c'est une ferraille, on en a deux à chaque fois. Donc le mieux, ce serait de faire un couteau, une hachette, et après le reste, ça part dans les pointes de flèche. Tout simplement. Alors la bonne chose avec les pointes de flèche, c'est que les pointes de flèche ne s'usent pas. Et ce qui s'use en fait, c'est le fût de flèche. C'est la flèche elle-même, c'est le bois en fait. Donc au bout d'un moment, ça casse. Et après, vous allez devoir en fait les recycler, récupérer la pointe de flèche et quelques plumes. Et vous allez pouvoir refaire des flèches, etc. Donc on n'a pas besoin d'énormément de pointes de flèche non plus. Mais... en pratique, c'est que vous allez quand même perdre des flèches. C'est-à-dire que vous allez tirer dans un loup, ça va pas toucher la tête, ça va pas le tuer, le loup va partir, ou alors le cerf hein, même, va partir avec la flèche. Donc vous allez perdre des flèches, donc c'est mieux... Putain, on est déjà à 44%. Donc c'est mieux de... ça y est, commence à faire un peu genre... C'est quand même mieux de le... d'en faire plus que nécessaire. Et on a plus d'eau aussi. Ça, c'est bien, ça. Ah, vraiment, on a du... Donc, ouais, on a un problème.
Enfin, bah, on va d'abord sortir, on va voir un peu le temps qu'il fait. Comment on pourrait rattraper ce problème? Alors, on a un temps pourri en plus. Je vais aller à l'autre mobilhome, je vais voir un peu ce qu'on a. Est-ce que ça descend ou pas? Ça a pas l'air de se calmer en plus. Ouais, non, je sais pas quoi faire. Parce qu'on peut pas partir maintenant, on n'a pas assez. Je crois qu'on avait laissé des choses ici, ouais. On n'a pas assez d'outils. Enfin, on a, comme j'ai dit, on n'a pas assez de bouts de ferraille. Ouais, petite biche, mauvais état ici. On n'a pas assez de bouts de ferraille, on n'a pas assez... On peut pas partir, il faut faire du feu, il faut faire de l'eau, il faut faire de la nourriture. Il faut faire trop de choses, on va passer trop de temps en intérieur, donc on va... Je pense qu'on va devoir le déclencher. Je pense qu'on va devoir déclencher le mal de l'enfermement. Et on va devoir faire un igloo et espérer qu'on puisse passer les 24 heures à l'intérieur. Je vois pas autre chose. Honnêtement, je vois pas d'autre solution. On a 45%. Oh, jamais fouillé ça. Wow, super. On a besoin d'eau. Je pense qu'on va boire ça, ces deux-là. 62%. On a combien de ferraille? Attendez, on va sortir. Donc on avait dit quoi? 4 et 3. Oh, fait jour. C'est pas mal ça. J'ai déjà oublié ce qu'on avait dit, oh mon dieu, j'ai vraiment pas de mémoire des fois. On avait dit 5 et 3. Ou 5 et 2. Oh, bah, 5 et 3, ouais. 8, faut que je me rappelle. 8, on en a 20, ça ferait... c'est pas mal. Il nous en faudra encore un peu plus. On va boire ça, je crois, parce qu'on en a beaucoup. Et il faut qu'on fasse de l'eau. Donc on va aller rentrer. On va rentrer à la maison. Et ce qu'on peut faire, c'est faire du feu à l'extérieur, par contre. Et je crois que c'est ce qu'on va faire. La scie, faut pas la casser, hein. Faut vraiment pas la casser, faire gaffe. I'll die if I don't get some food soon. Ok. Alors, par contre, maintenant on est dans la merde parce qu'on a vraiment pas de. Enfin, oui, on a de l'eau, mais. On peut pas taper dans ce qui n'est pas vraiment de l'eau pure. Ok. 28. 28. Ça fait 8 pour les outils. Et après, ça fait une vingtaine pour les têtes de flèches. Je suis en train de me dire, on peut repartir le long de la rivière, mais je voudrais quand même aller récupérer la peau du cerf qu'on avait vu la dernière fois, donc on va essayer d'y aller. On va bifurquer sur la gauche. Oups. On va
va récupérer tout ça. Ouais, on va... Attendez. Ouais, la soif. Ah, quoique non, on peut pas... Ah, mince. Non, on peut pas passer des heures dehors. On peut pas parce qu'il faut qu'on récupère de l'eau. Faut qu'on a soif. Ouh, que c'est embêtant tout ça. Ah, on aurait pu aller récupérer la peau. Oh, c'est embêtant. Vous voyez, ça c'est un peu la différence. Parce que... J'ai cru entendre... Non. On va dire que j'essaye de, d'aller un peu plus vite cette fois, j'avoue. Faire différentes choses. Aller dans d'autres zones, etc. Par contre, on va aller là-bas. J'espère qu'on va pas tomber sur un loup. Là, il y a beaucoup de cadavres. Il y a... J'essaye de voilà, qu'on avance un peu vite. Qu'on fasse différentes choses. Là aussi, il y a la peau. Il fait pas très froid. On pourrait récupérer la peau. Oh, mon dieu, qu'est-ce que c'est chiant. Une heure. Non, on a les tisanes. J'ai pas envie d'utiliser les tisanes. C'est trop rare. C'est trop rare pour utiliser des titanes. Je préfère utiliser les champignons et les trucs comme ça pour se déshydrater. On va pas utiliser le café, on va pas utiliser les tisanes, on va pas utiliser les boissons énergétiques là qu'on a. Enfin le. Les trucs qu'on a craftés pour se déshydrater. Ce serait complètement débile et ce serait du gâchis mais énorme quoi. Non, on va pas faire ça. Il y a juste un loup en plein devant. Merde! Bref. On va... Faut qu'on se bouge le cul. Faut qu'on rentre à la maison. On va faire du feu grâce à la lumière si on peut. Vas-y, ramène tes fesses. Allez, dépêche-toi, j'ai pas que ça à foutre. On va être déshydraté avant de rentrer à la maison. Je pense qu'on va rester déshydraté. Parce que j'ai vraiment pas envie de taper dans les ressources rares. Juste pour la déshydratation, ça serait vraiment débile comme je dis. Donc on va perdre beaucoup d'HP, faut vraiment pas qu'on reste trop longtemps comme ça. Petite futée. I'll die if I don't drink soon. Attendez, quand on arrive de ce côté, la maison elle est où, à gauche ou à droite? À gauche. Oui, à gauche. Oui. Non. Si, c'est à gauche, t'as la tour là-bas. Oui. Donc c'est bien, là je suis en train de gagner un peu de temps. Donc oui, c'est vrai que j'essaie d'aller, qu'on aille un peu plus vite, qu'on part dans d'autres endroits et tout ça. Et du coup, on a... niveau ressources...
on n'est pas vraiment dans la zone confort. J'appellerais pas ça la zone confort. Genre normalement, j'aurais fait plein d'eau de réserve, on n'aurait pas de problème d'eau. On aurait sûrement déjà encore des vêtements. Enfin, on n'aurait peut-être pas encore des vêtements, mais on va dire que on n'aurait pas avancé aussi vite et on serait plutôt là à hiberner. Donc du coup, voilà, on arrive à des fois, à des moments où... Eh merde, j'en étais sûr que ça allait arriver. Des moments où on a un peu des problèmes. C'est pour ça que j'ai coupé. C'est pas grave. De toute façon, on va dormir. Voilà. On s'en fout qu'on se... On peut se péter les deux chevilles, c'est pas grave. Mais au moins, ça coupe. Comme ça, on va plus vite. Donc, on va faire le feu. Mais on va faire le feu à l'extérieur. Pour passer du temps à l'extérieur. Quoique, on peut aller à l'intérieur, à l'extérieur. On peut faire des allers-retours. C'est pas vraiment très grave, mais... on va faire le feu à l'extérieur, comme ça on reste à l'extérieur et on fait les choses à l'extérieur. Tout va être à l'extérieur. C'est quoi qu'on a beaucoup, c'est ça. Okay. Quoique, peut-être pas besoin de boire. On va prendre le fait-tout. On va prendre ça. Non, ça non. On va faire d'abord de l'eau. Et on va boire. C'est pas grave, on va perdre de la vie. On va perdre un peu plus de vie que prévu. Non, c'est celui-là que je vais prendre. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a sur nous? Est-ce qu'on doit laisser des choses sécher? Non, on doit pas. Non, c'est bon. On va faire le feu. Avec de la chance, c'est que là, il fait toujours jour. Et je crois que la chance vient de partir. On n'avait pas fait de feu à l'extérieur. Apparemment non. On va se mettre là. Donc non. Ok. On commence bien. Ici. Ouais, ici c'est bien. Hop. Voilà, c'est bien. Torche. 60%. Ok, on n'a pas de... On va prendre les billets, on va brûler l'argent. J'aime pas brûler l'argent. Ça sert strictement à rien, ok, l'argent. Dans le jeu, ça sert à rien du tout, c'est juste pour le brûler. Mais vu que c'est rare, la plupart du temps je le garde. Et ça sert strictement à rien. J'espère que c'est le cerf qui se balade autour de nous. Et pas autre chose. Oh, yeah. That's a good one. Alors, on va pas mettre beaucoup de feu par contre, parce que si jamais il y a du vent, on va être dans la merde. Hop. On va faire ça 15 minutes. 15 minutes, très bien. Et on va rester à l'extérieur, tout simplement. On va rester à l'extérieur. On perd un peu plus de vie que d'habitude, enfin plus vite. Vu qu'on a soif, bouillie dans 12 minutes, ça marche. Alors, si tout se passe bien, on devrait pouvoir corriger notre problème de mal de l'enfermement. Si tout se passe bien encore une fois. Donc on va voir. On va aller récupérer les morceaux de viande. Ok, ça c'est pour manger. Ok.
45 minutes. Il faudra un truc qui fait pareil. 30 minutes. Voilà, okay, très bien. Une heure, il fait plus 16, on n'a pas froid. Ok. Si tout se passe bien, on va pour... Non, c'est le feu qui crépite. Non, ça va, c'est le feu qui crépite. Si tout se passe bien, on va se mettre là quand même. Genre contre le mur. On devrait pouvoir corriger notre problème de mal de l'enfermement, je pense. Je pense. Pas sûr. Il faut qu'on dorme. Ah, donc on va voir. On est à combien? On était à 60 et quelques, on est à 40 maintenant, ça va. On peut mettre un bandage ou sinon juste on attend la douleur, on peut prendre ça ou on attend. On va juste tout simplement attendre. J'ai pas envie d'utiliser, à moins qu'on ait vraiment des bandages en plus, on en a 3. Autant en utiliser un, je pense. Allez. Ah, comme ça on pourra sprinter, je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas ce quoi, quoi ça nous servirait maintenant de sprinter, mais c'est juste ok. Quatre minutes. On va faire ça. On risque peut-être de brûler la viande. Prêt dans 4 minutes. Ok, très bien. 14 minutes. On va faire ça. Ok, là on est bien. Alors, tout... gibier cuit. Et ça, c'est les appâts. Donc c'est bien, on va pouvoir passer des bonnes nuits. Ok, très bien. Donc, le feu s'éteint. On a de la chance, il n'y a pas de tempête, rien. S'il n'y a pas de tempête, honnêtement, on est tranquille et on va pouvoir, donc, je pense, on va pouvoir... baisser notre mal de l'enfermement et pas avoir de problème. Je dirais. Il faut encore de l'eau. Donc on va faire durer notre... Il nous faut de l'eau maintenant. C'est con, hein. Faudrait pas faire... Non, ouais, c'est une erreur. C'est une grosse erreur, parce que si jamais le vent se lève, oh, c'est mort. Ok, 2 heures, très bien. Si jamais le vent se lève, c'est mort de chez moi. On va re-rentrer, je voudrais poser des choses. Et après on ressort, on va essayer de faire le tour un peu de... du bâtiment, autour du bâtiment, récupérer plus de bois. On voit déjà plus rien, j'aurais dû prendre le bois à l'étage. Ça, ça. 1, 2, 1, 2. Très bien. Tisane, on va en garder 2 comme j'ai dit. Ok, on voit déjà plus rien. Je vais me balader dans le noir, désolé. Mais faudrait que j'aille prendre une torche honnêtement. Je sais plus. Qu'est-ce que... Oui, bâton. Ça, on a de la chance. Très bien, très bien. Et ça. Ok, c'est parti. On ressort. On va essayer de perdre le problème. Alors, le mal de l'enfermement, comment ça marche, c'est que... Alors,
de mes tests, de ma connaissance et tout ça, d'avoir joué au jeu, de ce que j'ai vu, c'est que ça va donc s'enclencher. Donc à 100%, vous avez vraiment le mal de l'enfermement. 1h40, ça va. Vous avez vraiment le mal de l'enfermement et du coup, vous allez pas pouvoir en fait dormir à l'intérieur de bâtiment. Donc il faut rester à l'extérieur pendant 24 heures. Par contre, le truc, c'est que j'ai l'impression que c'est une sorte de pourcentage, en fait, qui augmente. Donc, une fois que ça va être à zéro, il va disparaître. Mais si on recommence à dormir, enfin, à rester en intérieur pendant un très long moment, il va revenir. Et je crois que ça marche comme ça. Donc, c'est un peu embêtant. Je pensais vraiment pas qu'on était resté à l'intérieur aussi longtemps, honnêtement. Je suis assez surpris de ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour passer le temps? Faut qu'on dépose ça aussi. On a ça à lire. On a récupéré un livre sur les armes, sur le pistolet, le revolver. C'est trop bizarre de récupérer des livres sur les armes à feu. C'est trop étrange. Une chose qu'on aurait pu faire aussi, c'est faire un feu. Et ça, c'est beaucoup plus intelligent de ma part. Enfin, c'est bête de ma part de ne pas l'avoir fait, du coup. C'est de faire un feu au trou de pêche. Ouais, on aurait dû faire ça. Mais bon. Enfin, oui et non, c'est parce que en fait il n'y a pas deux emplacements. Là il y a deux emplacements. Il n'y a pas deux emplacements où on pêche. Donc bon, c'est pas dans un sens, c'est pas si con que ça de l'avoir fait ici. Si vous demandez pourquoi on voit bizarre sur les côtés et tout ça, que c'est trouble, c'est parce qu'on a la douleur toujours. On a le cerf qui se balade toujours ici. On va essayer de pas lui faire peur. C'est un peu notre assurance vie en fait. Par rapport au loup. J'essaie de regarder pour trouver du bois. Faut qu'on répare la scie, hein. Je préviens, faut qu'on répare la scie. Le problème, c'est que pour réparer la scie, il faut du métal, je crois. Enfin, un morceau de métal et une caisse. Les caisses, on en a une, voire deux, je crois. Mais le morceau de métal, j'ai pas vraiment envie de taper dans les morceaux de métaux parce que on en a besoin pour faire les outils. C'est quoi ça? En face? Au loin là? Près de l'arbre? C'est un loup ça, non? Ça bouge. Ça doit être un loup. Près de la maison là en fait. Ah, on est allé vers la maison? Je m'en souviens plus. Ok, c'est un loup. Ok, on va essayer de pas l'amener vers nous. Vers chez nous, parce que j'ai pas envie qu'il nous bouffe le cerf en fait. Donc on va se casser. Je suis en train de la fatiguer à sprinter. Ah, oh, mon dieu. c'est pas une galère, mais c'est le côté chiant de The Long Dark, là, le coup de l'enfermement et tout ça. Ça gâche un peu l'expérience. Mais bon. Dans un sens, je peux comprendre parce que imaginez qu'il n'y ait pas ça. Vous pouvez complètement rester en intérieur en fait tout le temps sans problème. Vous n'aurez aucun problème. Vous êtes toujours à l'abri de tout, du vent et tout. Donc, dans un sens, c'est pour contrer ça parce que c'est vrai que c'est un peu.
ils veulent un peu... On dirait que la maison est en feu. Ils veulent qu'on ait un peu de challenge. Donc bon, le truc de rester tout le temps à l'intérieur, ça gâche un peu le challenge. À 40 minutes. Ouais, mais du coup, on n'a rien à faire. Un peu embêtant, ça. Je vous avais expliqué aussi qu'on pouvait réchauffer les choses à côté du feu. On voit pas le... Ah, il était à l'extérieur. Il était dans la neige, en fait. Vous pouvez réchauffer les choses qui sont déjà cuites. Je pense que je l'avais déjà montré la dernière fois. À côté des feux. Là, c'est en train de réchauffer. Et vous pouvez mettre tout plein de choses, du coup, vous pouvez mettre le café, le thé, machin, etc. Et les choses se réchauffent. On a 30 minutes. On a rien à faire. On a vraiment rien à faire. On n'a pas les vêtements peut-être à réparer. T-shirt, c'est un peu de la merde. Peut-être les chaussettes en laine usée. 45 minutes. Oh, c'est 45 minutes! On va pas le faire. Qu'est-ce qu'on a rien à faire? On a strictement rien à faire. Ah, pour une fois. Bah merde. On a trop de. De choses qui peuvent démarrer un feu. Faut qu'on pose ça aussi. L'antiseptique. Faut falloir qu'on fasse un tri dans l'inventaire. Faut qu'on pose de l'antiseptique, si on en a trop. Il faut qu'on pose un de ça. La scie, il faudrait la réparer avant qu'on parte. Parce que j'ai peur qu'on en ait besoin quand on sera là-bas pour faire du métal. Si jamais on a le temps. On a 28 morceaux de métaux. Je crois qu'on en a encore un peu dans la maison. Les plumes, on en a pas besoin. Il y a ça, ça je crois qu'on va le jeter. Ces quatre trucs là. Je fais pas vraiment confiance en fait. Ok, 30 minutes. On va faire ça. On va aller déposer l'antiseptique. C'est juste à notre droite quand on rentre. Donc, hop. Ça on garde. Antiseptique. Ok. Après, il y a le tiroir. Ça. Ferraille. Ouais. Ok. 5. 30. Ok, on ressort parce que j'ai pas envie que le mal de l'enfermement revienne. Mal d'enfermement 22%, c'est bien. Si on a de la chance que le temps reste comme ça, on va peut-être pouvoir le faire partir. Ah, faut qu'on fasse de l'eau, faut qu'on fasse beaucoup d'eau. Ok, très bien. Ouais, on est bien, on a 30 morceaux de métaux, donc on avait dit quoi, 8? On va dire 10, comme ça, on voit large. On va dire une dizaine pour faire le couteau, la hachette. Je crois que ça prend quand même pas mal d'heures, je crois que c'est 5 et 3 heures, non, un truc comme ça. Des collets, ça aussi, il faut qu'on en fasse. Décoller. Le problème c'est que, alors c'est un peu con parce que ça devrait utiliser du fil et pas des boyaux, mais ça utilise des boyaux. Donc c'est du bois de récupération et des boyaux. Donc les bois de récupération du coup c'est un peu utile du coup. Mais je voudrais faire le défi aussi de récupérer des lapins avec. Mais il faut des boyaux séchés, ça le problème. C'est une heure pour une pointe à chaque fois, ça c'est bien.
Ok, on est bon. Bon, vu que le temps a l'air bien. Voilà. Donc, on avait dit quoi? 4 heures et 3 heures. C'est quoi ce bruit? Je crois que c'est le cerf. Ouais, c'est le cerf. Donc, on va continuer à faire de l'eau. On va continuer à faire de l'eau jusqu'à ce qu'elle soit complètement fatiguée. Et jusqu'à ce que... On va déposer ça. Si on avait deux, on a l'odeur en fait sur nous. Mais j'ai peur que... Ça soit un loup. Non, c'est le cerf. Qu'on ait le mal de l'enfermement qui soit parti. Bon bah du coup on va pas faire grand chose dans cet épisode. On va attendre. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Mais ouais sinon on est... Bon ça va, on est parti. On n'est pas trop mal parti non plus. C'est juste que ça nous... C'est dangereux, voilà. C'est dangereux parce que imaginez que vous ayez le mal de l'enfermement en fait quand vous êtes à un endroit où vous pouvez pas vraiment... Vous êtes pas vraiment en sécurité. Bah là c'est la merde quoi. Là c'est vraiment la merde. Donc bon. Dangereux. Très dangereux. C'est pour ça que j'ai pas envie de jouer avec ça. On a 22%. Ah oui, mais de toute façon maintenant on peut passer du temps. C'est des chaussettes en laine. On va les réparer. Eau potable, 47 minutes. Ah, très bien. Non. Chemise à carreaux, non. Je ferai bien le t-shirt, mais le t-shirt c'est rien du tout, ça va être 0,5 en fait s'il est à 100%. Donc ce serait un peu inutile honnêtement. Chaussettes de sport, c'est vrai que les chaussettes c'est rare, donc ça m'étonnerait qu'on en trouve des meilleures. 15 minutes en plus, ça va. De toute façon le tissu, on a encore les rideaux à l'intérieur, on a pas mal de pour les tissus, ça va. Ok, 23 minutes, très bien. Je crois qu'on va faire encore un batch d'eau après ça et je crois qu'on ira dormir après. Je pense qu'on va faire ça. Mais ouais, ça se passe. Pas aussi bien, parce que là c'est vrai que j'avoue qu'on est un peu freiné par les événements. Mais ça va. Je pense qu'on va trimballer 30 morceaux de métal. Je crois que ça suffit. Pensez quoi? 30, ça suffit. Ça ferait 8 pour les outils et après on fait les têtes de flèche. À la limite, c'est quoi? C'est le couteau, c'est seulement 3 heures. À la limite, on peut faire 2 couteaux. Je dirais. 2 couteaux. Peut-être. Peut-être 2 couteaux. Après les têtes de flèche, faudrait... Ouais, les têtes de flèche, faudra en faire pas mal en fait. Faudra en faire plein. Faudra en faire au moins 10. Enfin, faudrait faire 10 crafts, donc ça fait 20 flèches. 20 têtes de flèche. Faudrait en faire au moins 10. Donc on va pouvoir faire peut-être... Je dirais dans le meilleur des cas, quand on sera à la forge, ce qu'on fera c'est... couteau hachette en premier. Et après on fait les flèches. Et au bout de 10,
flèche, enfin 10 fois le craft de la flèche, donc 20 têtes de flèche. On voit comment ça se passe niveau ressources et tout ça, niveau feu et tout, et peut-être qu'on fera un deuxième couteau et une deuxième hachette, peut-être. Voilà, je pense qu'on va faire ça. Ah, je crois qu'on peut faire ça. On a toujours le mal de l'enfermement, 9h. Faudrait attendre encore un peu. 9h, qu'est-ce que je raconte? 9%, pardon. Qu'est-ce qu'on peut faire pour patienter? On peut pas faire grand-chose. On peut pas faire grand-chose. Pour lire des livres, mais lire des livres de revolver, ça va pas aider. Il faudrait qu'on mange aussi, si on veut lire. Et je sais pas où on a mis le livre, les livres intéressants. On va voir. On va lire. Minutes, très bien. C'est combien pour lire un livre? Je sais plus combien de temps ça fait pour une heure. Ah bah c'est facile à voir, on peut faire ça. Ouais, on peut faire une heure. Quoi ce bruit? Toujours le cerf qui fait ce bordel. J'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça. Bouille dans 30 minutes. On a 1h20 de feu. C'est un peu trop là. Mais je pense qu'on est prêt. Honnêtement, ça nous a fait un peu stresser. Le problème de l'enfermement, là. Mais au final, je pense qu'on est bon. Je vais être honnête, je crois que c'est bon. On n'a pas de... on peut partir demain. Je crois. Ah, il nous faudrait du bois. Ah, on n'a pas de bois. Il faudrait qu'on aille récupérer du bois. Ou alors on trouve du bois sur le chemin. Ok, ça va être un problème. Parce qu'on n'a pas de bois. Faut prendre le charbon avec nous, ça c'est sûr. Du coup, mais... C'est la maison qui fait ce bruit là. Mais il nous faudra du bois. Je pense qu'on peut gérer. Je pense qu'on peut se débrouiller et trouver du bois. J'aurais bien voulu aller réparer la sienne et tout. Ok, on n'a plus le mal de l'enfermement. Bon, je crois qu'on va aller dormir et ça devrait bien se passer. Ah, par contre, il faudrait dormir, mais beaucoup plus, en fait.
histoire de partir en pleine forme, comme ça on n'est pas besoin en fait de dormir pendant qu'on craft, parce que pendant qu'on craft en fait, enfin pendant qu'on dort on peut pas crafter. Oh là mon dieu, c'est une prise de tête. Vous imaginez même pas en fait la prise de tête que c'est par rapport au temps et tout ça. C'est vraiment une catastrophe. Mais bon. Ah, on va y arriver, y a pas de problème. C'est juste que c'est fou quoi. Il n'y a pas un peu de... Oh mon dieu, qu'il fait froid. En 20 minutes, on a perdu je sais pas combien. J'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment besoin en fait d'en rajouter du feu. On va juste rajouter un truc. Je pense qu'on peut aller dormir. On va laisser ça. Ça va faire de l'eau. On va s'arrêter là pour cet épisode. Comme ça, on sera prêt pour la prochaine fois. Donc la prochaine fois... Alors le problème, c'est qu'elle va être très fatiguée, honnêtement. Elle va être très fatiguée. Donc je pense pas qu'on va pouvoir se... Voilà. On va pas pouvoir être à fond. Mais bon. On va se débrouiller. Je crois qu'on va tout manger. Non, peut-être pas tout. Mais... Bon, ok, pas tout. Quoique. Je sais. Bon, ça nous servira à quoi d'avoir plus de calories que nécessaire? Ça nous servira à quoi? On peut garder plus de vie. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Le truc aussi, ce qu'on pourrait faire, c'est rester... Ouais, non, il faudra attendre 72 heures. Je crois que c'est 2 jours. 2 ou 3 jours. On va aller dormir. Voilà. Mais arrête de trembler, c'est bon. Non mais... On va te calmer un peu. On va manger ça. Ah, très bien. Et pourquoi pas le manger? Ah, comme ça on sera prêt pour partir. On a 10 litres d'eau sur nous, c'est abusé. Ok, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et donc, on récupérera les massettes. Parce que les massettes, c'est super léger. Donc, on va se nourrir de massettes. On va manger ce qui nous reste dehors aussi, je pense. Si j'arrive à m'en rappeler. On va prendre pas mal d'eau sur nous. Peut-être pas 10 litres, ça fait un peu beaucoup. On va poser ça. On va poser ça maintenant. Comme ça, je le rangerai plus tard. On a le métal. On faut prendre de tissu. Prendre 10 tissus au moins. Le marteau. La scie, je voudrais bien la réparer avant qu'on parte. Je pense qu'on va pas pouvoir le faire. Mais ouais. Non, ça va. Ça va bien se passer, je pense. Ça va bien se passer.